on est là, on rencontre des gens, c'est le partage. On est bon, on est dans les starting blocks. C'est un plaisir de découvrir ce sport-là. C'est agréable, c'est chic. Pour une fois qu'on puisse sortir d'un foyer, donc voilà, on se détend, on est en vacances, on profite au maximum. Super. Ouais. Moi je dis oui, mais j'ai envie tout le monde. On vous a raconté un petit peu l'histoire de Sédatoire ? Non. L'idée, c'est de passer un moment très agréable, de loisirs, et en même temps de faire du sport ou de découvrir des activités nautiques. Vous allez pouvoir faire du bateau, du cheval. Alors si vous ne savez pas nager, il faut aller dans l'aisance aquatique. C'est justement pour vous acclimater à l'eau. Si vous ne faites pas de pétanque ou tout ça, vous y allez ? Si c'est pétanque, moi. Vous allez faire la coupe, hein ? Comme la dernière, la médaille. Hein. Ah, c'est vous qui avez eu la médaille, l'année dernière ? Ah. Merci beaucoup. Puis, bonne installation. C'est toi qui accompagne les groupes ? Oui. Ouais. Ça, c'est le groupe avec les enfants. Je les confie du coup. Merci. Merci à toi. Voilà. Et je vous donne les bracelets pour le restaurant qui donne accès au petit déjeuner, dîner. Okay, merci. Bonne installation. On est ici au village vacances du Lazaret. On accueille 370 personnes qui viennent d'associations et de structures qu'on accompagne, qui sont présentes partout en France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. Ah, t'as vu, il y a la visite de 7 à bord du Subsi, là. C'est le truc sous-marin, là, c'est beau, ça, quoi. On a tous besoin de vacances, peu importe notre situation, qu'on soit en situation de précarité ou non. C'est aussi pour ça qu'on part du lundi au vendredi, ça permet d'avoir 3 jours pour pouvoir vraiment lâcher prise, décompresser, passer à autre chose et oublier un petit peu le quotidien qui est parfois difficile. Ça fait du bien dans le monde, ça. Je m'appelle Laurent, je viens de la Ciotat. Christophe, je viens de la Ciotat, près de Marseille. J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvé à la pension de famille. Et depuis, je suis à la recherche d'emploi, tout ça, et voilà. Moi, je n'ai pas la chose à sortir. Ça sera mes seules vacances, ça c'est sûr. Parce que là, actuellement, je travaille, mais je suis à mi-temps. Ça coûte cher, normalement, de partir en vacances. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, on pourra pas se plaindre. C'est un laps de temps, un peu de tranquillité de l'année où on peut rêvasser, penser à autre chose, profiter un peu, un moyen de s'évader un petit peu. Ouais. Service Ange et balle de match. C'est un jeu d'échange et ça nous permet de se rapprocher. C'est ce qui est important. Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Bon, 6, ça reste un beau match. Hein. Il faut juste se régler un peu, mais. Ouais. On 6. C'est un moyen d'échanger quand on échange des balles. Il y a l'humanité qui est en jeu, donc c'est bien. C'est un très bon moyen de rentrer en contact avec les personnes. Café. Badois et café. Hop là. Équipe 23, on vous attend sur le terrain numéro 2. 13-0 pour la 37. Ouais. C'est toutes les pensions, la fondation qui est là. On se retrouve et puis il y a des gens qui viennent de loin. Peut-être qu'on les voit qu'une fois par an, mais c'est agréable qu'on se recroise, on discute un peu, on se raconte un peu notre vie de notre année qu'on a fait, qu'on a passé, ce qu'on a fait. C'est plaisant. Wow.
ça détend, quoi. Ça déstresse, quoi, on va dire, voilà. Passer des vacances, ça va, moi, je trouve ça bien, quoi. Ça reste en mémoire, ces souvenirs qu'ils ont pu créer avec nous, les autres, voilà, en pension de famille, parce qu'on vit aussi des moments particuliers avec eux. Des moments qu'on n'a pas au quotidien. Donc là, c'est partager des vacances ensemble, prendre le petit déjeuner ensemble, vivre 24 heures sur 24 avec eux aussi. C'est quand même une semaine de belles rencontres. Et ils ont le plaisir de se retrouver ici sur le site. Il y a une place là-bas, si tu veux. Et après, deux places là-bas et deux ici. Pas du plug me in. Regarde ça, wow! Il est à 45 degrés là! Ouais, ça va! Ah, la cool, hein! Ah, t'es bien! Ah, là, c'est la criée. Si vous voulez du poisson, elle est où la dorade? Après, vous avez les barques. Chaque année, au mois de juillet, août, t'as le championnat, t'as tous les shooters de Trentignan, Bar-la-Ruc, plein de toutes les villes, tout partout. Le principe, c'est de se faire tomber. Ouais, voilà, avec le bouclier. Et pas se faire blesser, t'as vu? Ça fait 14 ans que je suis à 7. Quand je suis arrivé ici à 7, j'ai vu dans une caravane. J'ai connu autant de personnes de la rue. Après, j'ai travaillé avec des associations de la rue. Voilà. Ça me fait plaisir de sortir un petit peu quand même. Ça doit être avec nous surtout. Oui, ça d'être. C'est bien ça. Ça fait découvrir des gens. Voilà. Ouais, ça. C'est beau, hein. Bonnes vacances. C'est la première fois. Et ça me fait du bien, ouais. Attention à la tête! Attention à la tête! À 7, c'est ma première fois, ça me fait plaisir. Et puis c'est une semaine spéciale, de paysage, de nature. Regarde ça. Alors on fait ça! Ça c'est sweet, hein? C'est pas tout le monde qui va avoir ça, c'est comme ça, hein, pour avoir ça. Ce qu'on peut faire, c'est tenter d'apporter un peu de joie de vie, un peu de collectif, tu vois, entre nous. C'est un plaisir de partager les moments avec les gens. Voilà. Tout le monde kiffe, non? Toi, t'es pas content? Moi, je suis bien, moi. Tranquille. Je suis bien, moi. Là-bas, on va commencer un petit échauffement. Allez. Entrer dans l'eau. Rachida, on y va. Petit échauffement pour vous mettre en jambes, vous allez voir. De partir tout seul dans ce bateau-là. Ouais, ouais. Moi, on va se mettre en paddle à côté et puis comme ça. La natation, c'est bon pour toi? Oui. La nage, ouais, ouais. Pas de soucis. Ok, c'est top. Et ben allez, go. Allez, fraîche, allez, fraîche. L'intérêt de ce projet, c'est d'offrir une parenthèse à ces personnes qui sont dans des conditions précaires toute l'année. Et c'est ça qui est magique dans ce séjour, c'est qu'on voit des émerveillements de personnes qui se surpassent dans des activités. Et parfois, il y a des révélations grâce au sport ou grâce à même le vivre ensemble. Ça permet d'ouvrir des projets de vie à ces personnes qui parfois arrivent ici un peu à court d'idées pour reprendre le cours de leur vie. Donc ça peut créer des vocations même parfois. Elle est nickel. Bravo. Nickel. Hey, coucou la caméra là. Coucou. Là, là, gauche, gauche. Coucou. Bravo. Cette dame, elle avait une peur complètement de l'eau.
Et hier, c'était inscrit au stage, elle n'a pas voulu y aller parce qu'elle est tétanisée. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas grosse confiance en elle. C'est quelqu'un qui est très renfermé et là, elle a pu discuter avec les nageurs. Ouais, le but de ce stage, du moins d'aquaphobie, c'est le dépassement de soi. Et je suis trop fière parce qu'elle est arrivée à se mouiller jusque-là, donc belle victoire pour elle. Ça la revalorise, ça... Puis ouais, pour elle, s'estimer aussi, c'est super important. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se sent être humain. Voilà, se sent voilà, vivant. Oh non ! Tu l'as eu, hein ? Franchement, si on n'assomme pas quelqu'un avant la fin du match, c'est ça l'objectif en fait. Hein. C'est plus de gagner, c'est de blesser personne. Les gens, ils sont là, tout le monde est mélangé. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jugement. Peut-être ça peut remettre les gens sur les rails, leur redonner confiance. On t'en sait rien, c'est quoi, c'est 4-5 jours, c'est des activités qui n'ont rien à voir avec le quotidien. C'est pas une question qu'on va faire ça, on va s'en sortir, c'est-à-dire qu'on se quitte le soir, on se réveille le matin changé. Mais peut-être ça peut donner une force ou quelque chose, ça peut déclencher quelque chose. On est confronté à la rue c'est la rue. C'est pas facile, parce que la vie dans la rue, elle fait pas de cadeaux. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'elle est rude. Voilà, moi je dormais, je me suis fait agresser, bon, c'est pas l'avenir. On est écrasé, et en fin de compte ici, voilà, c'est ici, t'as la liberté. Voilà, c'est histoire de sortir un peu de cette misère sociale, quoi. Voilà, cette promiscuité et tout ça, quoi. Vive les vacances! Je vous explique comment ça va se passer. On va sortir tous ensemble des numéros. Donc la première fois, vous allez faire une kin, il faut avoir toute la ligne. Donc quand vous avez toute la ligne, vous dites moi et il y a un lot. Voilà. Donc tout le monde est installé là, on va commencer. Le vert, 83. Un réveillon, 24. Le loto, ça marche à tous les coups. C'est vraiment des temps forts dans les pensions de famille, dès qu'il y a des fêtes. Tout le monde aime bien, c'est convivial. Et là, c'est une petite bulle qui sort de leur quotidien, de ce qu'ils ont l'habitude de faire et d'avoir un peu du rêve, là, d'avoir des cadeaux, de gagner de temps en temps. Donc voilà, c'est très chouette, quoi. Marseille, 13. Les Boules du Rhône. 54. Ouais, allez serré. On est là. Le ping-pong, la pétanque, on est partout. Allez, venez me voir 2 secondes, comme ça je vous donne quelques consignes. Les chevaux qu'il y a ici, c'est des chevaux, ils sont éduqués. Toute leur vie, ils ont eu des enfants, des ados, des adultes qui se sont occupés d'eux. Donc il n'y a aucune raison qu'ils vous mettent un coup de pied. D'accord ? Là, ils connaissent l'endroit, ils sont détendus, mais ils ne vous connaissent pas vous. C'est à vous à être calme avec eux, à les caresser, et n'hésitez pas à leur parler. Ils ne comprennent pas les mots, mais ils comprennent votre intonation, votre envie. Allez, essayez d'aller voir un petit peu tous les chevaux, caressez-les. Faites ça bien. Venez vous en rappeler avec les chevaux. Ça se voyait. Oh.
Là, je fais comme ça. Dans le sens du poil, partout. Oui. Pensez à bien faire sous le ventre, parce que souvent, ils sont un peu plus sales. Ah, ouais. D'accord. Et le ventre, on fait comment? Pareil. Je suis bien. Ça m'apaise, ouais. D'être en contact avec l'animal. Surtout le cheval. Ça me détend. Attends, là, je fais quoi? T'es toute belle. Attends. Ah. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah, génial! J'en ai quatre. Ah, génial, merci. J'adore les animaux. J'ai eu une vie difficile et eux, ils me disent que je suis là, que je suis en vie, que ça va aller et tout. C'est pour ça que j'ai pouponné comme ça les animaux. Surtout les chevaux. Tu lui en fais une autre, hein? Ouais, je lui en fais une autre. Là. Et là. Là. Et tu sais, on pourrait lui en faire une devant. Ah oui, j'avais pas vu sa presse devant, ouais. Ici, ouais. Les animaux, c'est comme un être humain, faut pas les blesser, et puis ils sont aussi fragiles que nous. Donc pour moi, les animaux, c'est essentiel qu'on prenne soin d'eux, et qu'on est près d'eux aussi, et puis qu'on les calme et tout ça. Comme moi, je suis très contente d'avoir des animaux et tout, j'ai l'impression que les animaux, pour moi, ils me comprennent. Tu veux faire ça? Ouais. C'est là. Piton. Toi, tu as cerise. 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 Tapis. Amortisseur. Ils vont t'aider à le mettre, ils vont t'expliquer. Vous vous rappelez, on va mettre une main là pour l'instant. Ouais. D'accord? Et après, on attend le top pour y aller. Mon premier vœu, c'était le cheval. Oui. Et je l'ai fait aujourd'hui. Je suis pressé de la monter. Allez, un, Noé, deux, Colas, c'est parti. Trois, Prunelle. C'est bon? Allez, un, deux, trois. Oui. Oh, une athlète. Bravo. Incroyable. Avancez vos fesses. Encore, encore, voilà, très bien. Allez, je vous réexplique un petit peu comment ça fonctionne. Donc quand vous voulez vous arrêter, on se penche un peu en arrière et on tire doucement sur les rênes. Allez-y, voilà, impeccable, oh, là, on a les habitués. Alors très important, avant d'avancer, en même temps que je tiens les rênes, je tiens un peu la selle devant. Voilà, c'est bon? Allez, on se suit, c'est parti pour l'aventure. Hein. Bon, allez, bonne balade. Hein. En fait, naturellement, le cheval, il va apaiser le groupe et il va faire son travail naturellement, rien qu'avec la préparation, le brossage. Il y a des gens où ça fait la troisième année qu'on les voit consécutifs. Ils se rappellent du nom du cheval, ils se rappellent de nous. Quand ils arrivent avec le sourire, donc c'est que du bénéfique pour nous, quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous! Alors d'abord un petit kiff, quand je dis ping, vous dites pong, ping! Pong! Ping! Pong! Ping! Pong! Merci. Alors, on passe tout de suite aux finalistes. Finalistes malheureux, mais quel match il nous aura offert! Mesdames, messieurs, Omar dit le tigre! Et maintenant, on sait qui c'est, mais on va quand même l'applaudir très 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 fort parce qu'il a tenu, il a tenu. Karim est le grand champion 2024 du tournoi de ping-pong de Saint-Avoir. Mesdames et messieurs, applaudissez les tous. Maintenant, tous les participants, s'il vous plaît, tous les participants du tournoi de ping-pong, venez, 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 il y a des médailles pour vous. Merci. Ouais, celle-là, elle est pour le chocolat. C'est pas grave, ça vaut mieux qu'une victoire. Vacances, c'était super, bonne activité, bonne personne, des bonnes rencontres et du partage. Que du bonheur et à mort la misère.
pour la combattre. Peace. D'accord, il faut attendre que le groupe soit là, vous lui donnez les clés à votre okay. responsable du groupe. C'était cool, les activités étaient sympas. On a bien mangé, on a bien rigolé. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire, des super belles rencontres, des nouvelles expériences et franchement à refaire. Et c'était vraiment super. Tout était bien et que du pur bonheur. À bientôt. À l'année prochaine.